Franck, on a un problème. Je crois qu'il y a un voleur dans la bande. Serena a disparu. Cet enfoiré nous a tendu un piège. Il s'est bien foutu de notre gueule. Non. Non, Franck. Je sais pas où elle est. Mais t'en fais pas. Je connais quelqu'un qui a peut-être une idée. Ouais. Tu t'en occupes? Ouais. Ok. Ok, Franck. Tu croyais que t'allais t'en tirer si facilement? Et là, t'es toujours aussi sûr de toi? Tu vois, si j'étais toi, je la ramènerais pas trop, sale petite merde! C'était pas compliqué. Tu rentres discrètement, tu prends Serena et tu la ramènes à Franck. Mais non, t'as préféré la jouer solo et disparaître. Qu'est-ce que t'as cru? Que t'étais Harry Houdini? Je vais te dire un truc. J'ai toujours aimé ça, moi, les tours de magie. J'en connais un pas mal, je suis sûr que ça va lui plaire. Ouais. Regarde ça. Ta-da! Maintenant, t'as intérêt à me répondre. Où tu l'as caché? Réunion privée, on ferme la porte. Tony est mort. J'ai pas eu le choix. Il complotait avec les riches. Putain! Cet enfoiré de Victor Kosloff et son pognon russe à la con! Mon vieux, il connaissait bien la chanson. Il disait toujours, on peut pas se faire d'oseille quand on est dans une cellule ou dans une tombe. Et il avait raison. Ruskov est à côté de la plaque. Tout ce qu'ils veulent, c'est buter tout le monde. Ils tuent les gens sans raison. Même les flics les plus ripoux seront obligés de réagir. Ils vont tous nous foutre en tôle. Tu sais comment on fait tomber un type comme Kosloff? Faut le faire passer pour un con. Tu le provoques et t'attends que cette grosse brute vienne te régler ton compte. Si les flics lui explosent pas la cervelle, ces gars s'en chargeront. Et c'est pour ça que ce soir, on va attirer son attention en lui dérobant son plus précieux joyau. Son diamant adoré, Serena. T'auras besoin de ça. Téléphone portable. Il est clean. Tu le jettes quand t'auras fini. Une oreillette.
pour avoir les mains libres. Du fric! Pour la mission, pas pour tes paris. Ok, j'ai désactivé toutes les alarmes. Alors tout ce que t'as à faire, c'est entrer, récupérer le diamant et ressortir illico. Pigé? J'ai un autre truc important à te dire. On parle affaire. Ce boulot, c'est vraiment du lourd. Mais je sais que tu me décevras pas. Je te connais déjà pas mal. Qui est partant pour danser la Kalinka? J'ai dit que c'était une réunion privée, Mike. Ouais, mais moi c'est différent, Franck. Tiens, là les passes que tu m'avais demandé. C'est le petit gars de Dave. Il les a fait avec son ordi. Merci, Mike. Il a fait. Merci. Putain de bon boulot. On discute, là. Ok, ok. Et on discute de quoi? Tu te prends pour un fric? C'est pas tes affaires, putain. Alors tu te casses et tu ramènes le fourgon. Ok. Du calme, Franck. Bon, alors comme je disais, je te connais depuis déjà belle lurette. Tu fais partie de la famille depuis qu'on t'a pris sous notre aile. Ouais, c'est ce que t'es pour moi, de la famille. Alors écoute, j'aimerais bien prendre, disons, ma retraite. Profiter un peu de tout ce qu'on a construit toutes ces années. Hé, file-moi du feu. Alors, tu sais que j'adore Mikey. Mais je peux pas lui passer le flambeau, il a pas assez de cervelle pour gérer le business. Et toi, par contre, je suis persuadé que t'as tout le potentiel pour empêcher notre petit royaume de tomber entre les mains des types comme Kosloff. Mais faut d'abord faire tes preuves. Tu vois ce carnet? Dedans, il y a tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir gérer le business comme un véritable pro. Tu mets le paquet ce soir. Et ce bouquin est à toi. Allez, fous le camp. Toi et moi, on va jouer à un petit jeu. On va l'appeler Où est Serena? Tu pensais te tirer en douce à l'autre bout du monde, hein? Mais t'es coincé là. Avec moi. Et on est tous très curieux de savoir si tu sais où elle se cache. Je vais te cramer la gueule, espèce de petite merde! J'en ai rien à branler de ce que Franck pense de toi! Je te fais pas confiance! Et tu sais pourquoi? Parce que les seuls qui auraient pu voler Serena aujourd'hui, c'était toi ou moi! Et c'était pas moi, bordel! Alors tu vas me dire où? Chier! Franck! C'est ton genre de chance. Il a envie de causer avec toi. Allez, trésor, je vais pas te faire de mal. Réponds, putain! Bon. C'est toi qui vois. Ok. J'ai cru comprendre qu'on avait un petit problème. Oublie Mikey deux minutes. Je veux que tu me dises, avec tes mots à toi,
ce qui s'est passé exactement dans le bureau de Victor. Ça y est, je suis en position sur le toit. Je te vois. Magne-toi de trouver ce putain de caillou. Franck a désactivé les alarmes, alors s'il y a qui que ce soit qui approche, je te le dis. D'après Franck, il est dans le bureau de Kosloff. Regarde dans les tiroirs. Retourne tout s'il faut. Est planqué quelque part. Continue de chercher. Hey, Rice. T'as du bol. Personne t'a vu. C'est quoi cette merde? Ça a l'air lourd. Tu te bouges ou quoi? Je me pèle le cul là-haut, moi. Ok, Hera est dans le bureau. Merde, je crois qu'il faut s'occuper des alarmes. Je vais chercher le fourgon, va falloir jouer de la gâchette pour te sortir de là. Et on se casse de là. Attends. Tu me dis si je me plante. Tu t'es débarrassé des gardes de Victor, t'as pris Serena et tu t'es tiré. Eh ben alors, qu'est-ce que t'attends? Dis-moi où tu l'as foutu, ce putain de caillou! Je vous préviens, si vous m'obligez à me déplacer, ça va chier! Fais-lui cracher le morceau, Mikey! Franck! Ah, putain de merde. Bon, ok. Ça suffit, les conneries! Oh putain, comment t'as assuré ?
C'était un vrai feu d'artifice. T'as épargné personne. Franchement, chapeau. Je suis fier de toi. Sur tes gardes. C'est pas encore terminé. Et ferme cette portière. Ça a vraiment un goût de chiottes, cette merde. Oh, putain, je l'adore celle-là. Russes en ont pas encore assez pris plein la tronche. Quel sale connard! Je vais en faire la pâte et poussière, tu vas voir. Mais c'est pas une sale foirée! Je crois que je vais me taper un malus! Bien visé.
tranquille sur ce coup-là. Encore un peu, et on y va. Les alarmes. Putain d'alarmes. Désactiver toutes les alarmes. Il s'est bien foutu de notre gueule. Il fait du ménage. Regarde ce qui est arrivé à French Tony. Il cherche à se débarrasser de nous. Il pensait pas qu'on arrivait à prendre le diamant. Il croyait qu'on allait y rester. Ah, merde. L'avantage, c'est que c'est nous qui avons Serena. Je sais que Franck la veut. Et quand il viendra la récupérer, je ne laisserai aucune chance. Je vais te cramer la gueule, espèce de petite merde! Maintenant, t'as intérêt à me répondre. Où tu l'as caché? Ça suffit, les conneries. Franck, décroche ce putain de téléphone! Désolé, mais Franck n'est pas disponible pour le moment. Il est en train de perdre son temps avec deux connards qui veulent pas lui dire où est son putain de diamant! On peut se parler en privé, deux secondes? Bon, comme tu l'as compris, l'enjeu est de taille sur ce coup-là. Surtout pour toi, personnellement. Alors, est-ce que je vais devoir me salir les mains? Ou bien l'un de vous deux va finir par me cracher le morceau? Voilà! Tout doux, Franck! J'étais justement en train de faire chauffer le chalumeau. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi le début de la fin à Mikey? Franck, je vais la jouer médiévale, je vais me faire un plaisir de lui cramer les yeux. À quoi tu joues, là? Arrête de pointer ça sur moi! Non, Franck. Les alarmes. Ces putains d'alarmes. French Tony, tu fais le ménage! Quoi? French Tony? Mais French Tony était une saloperie de taupe! Et tu sais quelles seront leurs réserves autour de... Arrête de me baratiner, Franck, ça marchera pas! J'en ai ras le cul que tu te foutes de ma gueule! Tu nous as piégés! T'es mort! Je savais que je pouvais compter sur toi. Maintenant, va falloir qu'on parle sérieusement. Dis-moi déjà ce qui s'est passé avec ces alarmes. Parce que quand je vais choper celui qui m'a fait ce coup-là, je te jure que je vais lui faire regretter d'être vivant. Et je veux que tu me dises... Où t'as mis mon diamant ?